Merci, chers compatriotes, vous nous suivez de partout. Vous êtes bel et bien dans votre mission Tango Koki. Tango Koki, Tomesana toujours Kozalawana, pour nous consoler Makamoya Mboka. Moutou Akoufi, Nabaloko, il y a la police. Ah oui, déplorable. Et tout le monde, vidéo, il y a une jeune fille, oh, tout le monde a bêti massassi dans Mbanga, massassi dans le Koko, le Bazolo, qui va garder Maman Denise. Et ça, le Kouta, tout ça, il y a solo. Chers compatriotes, ministres, Massa c'est Betami, Mukolo lobby na cortège na na mangambo belé na ba concession kuna ya un monsieur qui est belge. Tokolo ba nini na makamonyo soana to koti na muzindo a goma satire population a se soulever a lobby pas question ye ndenge zawana pas question ya la police rwandaise sur le sol congolais. Je suis là avec maître Christian Bosembe. Bon, moi, il y a bien un autre consultant, exacté, mais il y a bien un autre papa. Voilà. Maître, bonjour. Bien, Stéphane, comment tu vas? Trop bien, tout va bien, mais ça ne marche pas au Congo maintenant. Bon, la situation est quand même assez préoccupante. Oui. Vraiment très préoccupante, mais il faut trouver de voies et moyens pour régler la question, je pense. Très préoccupante. Très préoccupante, en tout cas. Tout banda na Est. Dans l'Est, il y a une population qui est déjà pas à déjà il y a Gims, la police rwandaise. Si va congolais ici tunaishi depuis tuite police ya munyarwanda ndio aketu chunga bale nyewe baleta insécurité ndio akete assez la ta sécurité bongo atwezi itika tani ni ikue na ile ndi le 20 décembre tunafanya journée ville morte du tunasema bale ba police ya Rwanda babakie kwao wachunge banyarwanda babo na shiwa police ba kongomani watuchunge shiwa kongomani na tena tuko nasema atutaki na tunachoka na insécurité. Batu kukupa kila siku kidnapping ba mwizi bile ba autorite ba kosa vile banasinzia tunataka bala musha journée ville morte lundi hakuna masomo hakuna kazi hakuna soko fikisha kila mtu message fikisha baba fikisha mama fikisha ndugu fikisha jirani fikisha batoto ba élève ba étudiant kila mtu asikie message tubakie kunyumba tunalomba sécurité atulombe vitu vi atulombe vitu vi mila au on fait comment? Bon, c'est l'expression tout part par la communication. Les gens va protester en fonction de la communication bazana. Oui, s'ils n'ont pas de bonnes informations ils vont protester.
Mais s'ils ont des bonnes informations, ils ne vont pas protester. C'est à vous qui gouvernez de rassurer à la population que vous n'avez pas à avoir peur. Batoubado qui est en balabala, c'est normal. Batoubado qui est en balabala, on a la Goma, on a un botanique pour la Goma. Ok. Je suis né à Goma, j'ai grandi à Goma, j'ai fui la guerre à Goma. Ok. Donc, tant que Batou Kota, l'armée rwandaise, ils ont Kota à Goma, j'étais là. J'étais dans le rang. Moi, je suis un peu comme ça. Ouais. Je suis un peu comme ça. J'étais comme ça. Ouais, bon, moi aussi, donc, j'ai fui comme ça dans 90 dans Katanga. Voilà. Donc, j'ai vu je ça. Je connais bien le reflement aussi. J'ai vécu ces choses-là. Je connais comment ça se passe. Et, mais donc, voilà, tous les alliés, accumulation, il y a un problème. Pour expliquer à Bangona Makambouté. Le Rwanda, on peut bien dire ce que l'on veut. Moi, j'ai deux sentiments pour le Mamba Rwanda. Le premier sentiment, il est un sentiment naturel. Ça veut dire que nous avons été attaqués. Il y a eu le Rwanda qui a été derrière les groupes armés. Le Rwanda a commis des exactions et des exactions. Ça, c'est sûr. Donc, on ne peut pas refuser. Nous avons besoin de nous rappeler, de nous souvenir. Donc, ce n'est pas une population où il y a une fraîche pour composer une autre chose. Il y a un modèle Rwanda. Parce que jusqu'à aujourd'hui, sur le Rwanda, nous n'avons pas encore normalisé nos relations. Nos relations sont jusque-là mabées. Parce que, du côté politique, tout semble bien marcher, mais il y a des faits historiques. Voyez-vous, il y a des problèmes historiques qui continuent à être de vrais problèmes, qui continuent à nous embêter, qui continuent à nous déranger. Or, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat ouvert sur la question. Nous n'avons pas encore débattu sur la question. Anna. Les préjudices n'ont pas encore été réparés, même pas établis. Okay. Pas réparés, pas établis, pas discutés, pas convenus. Donc, après, vous n'allez pas comme ça. Ouais. Avec l'Ouganda. Oui. L'Ouganda nous doit 10 milliards de dollars. 10 milliards, l'Ouganda oui. L'Ouganda a accompagné Bemba ici. L'Ouganda est resté longtemps au Congo. Mm-hmm. L'Ouganda a eu des propos méchants envers nous et parfois des actes de paix à bien abusé. Là, c'est les sentiments. Mais un autre sentiment, c'est que ce pays-là sont des pays voisins. On ne vivra jamais en contradiction éternelle. Parce que les pays, il n'y a pas d'ennemis éternels, il n'y a pas d'amis éternels. Tous les pays doivent à un moment donné de la vie se dire, bon, on a eu des problèmes dans le passé, reconnaissons le problème, réparons nos torts, jouons une musique d'ensemble et construisons le pays. Ouais. Nous devons arriver à ce niveau-là. Mais tant que nous communions dans le niveau, on a été mon frère. Tout impossible. Ce que l'on va faire, même attaque à Gameaïe, les gens, les Congolais peuvent supporter l'armée chinoise, mais on ne supportera pas l'armée rwandaise. C'est en fonction du passé. Alors nous devons regarder ce passé avec un courage pour nous dire assez de nous accuser, mettons-nous sur la table, parlons-en. Et quand on aura réglé le problème, le Rwanda accepte, demande pardon, paye. C'est fini. Mais comment le Rwanda peut accepter aussi longtemps que Kagame d'abord Yemongwazo Wangana Nyons, par rapport à Mapinga, Zo Wangana, Bakizaso Nyons, Zo Wangana. Mais c'est cette situation qui ne va pas nous faire avancer. Ouais. Tant que le M. Kagame continuera à nier alors que les faits sont là, ça n'avancera pas. On ne dit pas qu'on doit arrêter quelqu'un qui fasse la prison. Nous avons besoin d'abord de la reconnaissance, ensuite de la réparation, et puis on évolue. C'est tout. Le responsable à la police, Sazo Loba, que les policiers rwandais ne sont pas sur le sol congolais. Et qu'il serait même, que cette police serait même dans la concession de la mairie. Et moi, je dis que c'est faux. C'est faux parce que comment une police peut entrer chez nous sans que nous le sachions? Elle est entrée par la grande barrière, par la petite barrière, ou elle est entrée où? La police rwandaise n'est pas à Goma, n'est pas ici chez nous. Ça, ce sont des gens qui le disent à travers les réseaux. Mais nous, comme maire, en tout cas, nous n'avons pas cette information et nous ne connaissons pas. S'il y a des gens qui connaissent là où se trouve cette police-là, qu'ils viennent nous dire que nous avons vu la police rwandaise à Goma à tel endroit. Il n'y a pas la police rwandaise à Goma. Mais officiellement, la police rwandaise n'est pas dans nos murs. En tout cas, pas dans la ville de Goma. Je demande à la population d'évacuer librement à ses occupations pendant cette période de festivités. Quand la population ne sort pas, donc c'est un manque à gagner et pour la famille, les enfants et pour la société inutilement. Je crois que ces groupes de certains jeunes n'ont pas une bonne information de la chose.
normalement, ces groupes, ces jeunes devaient nous aider à nous informer de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, pour qu'ensemble avec eux, nous puissions mener des actions pour protéger notre population. Il ne suffit pas seulement de dire que non, la police rwandaise est à Goma, nous voulons faire une ville morte. Mais amenez-nous des preuves. Oui, moi je suis d'accord avec lui. Parce que, attends, jusque maintenant, aucune vidéo ne circule de montrer ces policiers rwandais sur le sol. Ouais. Ils sont pas là. Mais on voit des routes barricadées. Oui, c'est c'est le peuple, la manifestation du peuple. Et c'est normal. C'est même ça un état de droit. On peut dire que le président Félix Tshisekedi aujourd'hui a bandit pour perdre contrôle sur la population petit à petit. Dans un pays, dans une gestion, il y a les hauts et les bas. Là, il faut quand même reconnaître que le chef de l'État traverse une mauvaise passe. Mais c'est ça même la capacité d'un leader. Lead, ça veut dire la tête. Le ship, ça veut dire le bateau. Ouais. Sa capacité à lui de mener les bateaux quand ça tangue. Parce que là, on est en train vraiment de traverser une zone de turbulence provoquée par l'incapacité des gens que le chef a choisi lui-même. Et donc là, on est en train de vivre ce problème-là. Mais je pense qu'un bon leader a se rattraper, à reprendre Mani Inaye. Quelles sont les vraies raisons à coopérer la police rwandaise? C'est pourquoi le problème est la communication. Il faut que ça soit transparent. Il faut que le peuple aille. Important, c'est l'armée rwandaise, la police rwandaise dans le Congo et ça pour l'année. Ni la police rwandaise avec ça, on juste qu'on salate. Nous, on est buté à quel niveau? Bon, on va venir à Port Nini. Bah, on va dans Wapi. Bah, on s'en est ni bah, ok, dans niveau Nini, tout ce qu'on a mangé. Dans ma bagage, dans Bango, bah, il y a Nini. Quel est le contrat? Ce qui va y avoir, vous répondre à l'ordre à Nani. Est-ce que vous allez abuser surtout y avoir? Toutes ces questions-là, c'est à l'État de nous dire. Bah, ça combien? Combien d'hommes? Combien de femmes? Et ça permet à l'armée congolaise de connaître ces choses-là. Parce que s'il y a crime ou il y a acte de mauvais modèle, on saura retracer les responsabilités. Mais ce qui est bon, le capot, tout le monde a bien à Bango, ça ne marche pas. Moi, je suis d'accord avec harmoniser nos rapports avec les autres, mais il faut respecter les préalables et le processus. Très bien, puisqu'on parle de la police rwandaise, ça peut aussi nous amener à la police Yabiso, ou à tout le monde qui a fait la police Yabiso. Comment vous avez accueilli d'abord les Kamboya Olivier Mpunga et qu'est-ce qui s'est passé concrètement, maître? Je présente toutes mes condoléances à la maman de Mpunga. Cette maman, elle est veuve. Wow. Elle n'a pas de mari. Elle n'avait que son fils comme pilier. Et son fils va être tué par la police. Pas parce qu'il a volé des millions de la République démocratique du Congo. Pas parce qu'il a pris le coltan. Pas parce qu'il a pris le cobalt. Mais dans une affaire des véhicules. Waouh. Alors posons-nous la question aujourd'hui. Et si on rendait le véhicule là, est-ce qu'eux vont rendre la vie de la personne? C'est horrible. C'est terriblement... j'ai perdu la voix, je ne pouvais pas me retrouver. C'est infernal de voir un jeune de 30 ans. On parle de 32 ou 33. Donc on est dans une... C'est un jeune qui pouvait être utile au pays. Utile au pays. Et c'est quand même assez offusquant de voir ce garçon tomber. Mais ce qui est choquant, ce qui choque le plus, c'est que dans la vidéo, on entend le policier dire bon, torturer Mouké à Goloba Vérité. On entend dans la vidéo le policier dire bon, torturer Mouké. Mais Stéphane, est-ce que tu as vu le coup de pied qu'on donnait au thorax de ces jeunes garçons? Comment ils se retrouvent déshabillés? Comment on les déshabille? Pour quelle raison? Donc la méthode, il y a police Nabisso. Et la méthode ouana. Il y a terrorisé bateau. Il y a torturé bateau. Alors on n'est plus dans une salle d'interrogatoire. Là on est dans une salle remplie de tortionnaires. Parce que combo, bah combaka. Ouais. Bah quand ici on a simaya ma beaucoup. Et on a dû tourner en haut. Mais il faut imaginer la douleur. Même en Amérique, bah quand on a mutu carcan, mais un coup de tête. Il y a bah quand il y a l'amba, certainement il y a l'amba naie. Donc ces gens-là sont spécialistes. Il y a mon dernier bako qui ne sont pas ces gens. Alors que ceux qui baillent qui attaquent droit Mouké Balobi, tout aveu obtenu dans la torture est nul et nul effet. Alors yo gros ça me doutait que pour torturer bon le place sont en Azali. Attention à Lobi qui engage avec qui mutuka. Na on dimine au foot. Mais à qui devant juge na Lobi na iba na mutuka on a été. Mais non mais peut venir en gros non. Habillé besoin en gros na violence. Bah violera bah bandoua bah obligé à aller au babongo. Il y a qui celle issue d'un gars vivre.
Ah donc si bah torturé yo au lobby vérité et que et après oyo ko wanga na yango ça c'est nul. C'est nul. OK. D'abord un aveu, c'est ça les gens ne savent pas. Oui. Un aveu obtenu dans la torture est une accusation contre la personne qui t'a torturé. Ah OK. Bien sûr, bah torturé, on va torturer autant. La police que nous avons, est-ce que tous les temps il y a qu'on recycler bango? Tous les temps il y a qu'on paye ça bango, moi service mais état des droits. D'abord, il faut dire l'âme de notre police, c'est où tu as vu. Police n'a vu sur autre chose en haut. Pour la plupart des cas, les abattoirs vont échouer la société. Ouais. C'est retrouvé voilà. Ok. Petit, bah plus au vieux, bah comme on a cala. Colonna oui. Bouka, bah c'est karatéka. Bah tout nous soit là où ma caméra moi compliqué. Bah on est bien qu'on s'est retrouvé la police. Mais pas tous. Il y a des bons policiers bah d'ailleurs. Oui. Il y a des bons éléments. La police bazar. Mais le problème, c'est que notre police a des sérieux problèmes. Et Tolobengo plusieurs fois. Il faut recruter les bonnes personnes. Il faut former ces hommes-là. Et il faut bien les traiter. Moutouzana Mundouki. Moutouzana la capacité au Kangao 24 heures, 48 heures. Mais bino beau foutre malamouté. Mais beau tigénéen. Aokanga Stéphane, Aokanga Bosembe, Aokanga Moutouzana Mbong. On va lui donner de l'argent, il va se faire corrompre. C'est lui qui a de l'argent, arme, Azana ba munition. Il peut faire ce qu'il veut. Non, le problème, c'est que Fatih, depuis 3 ans, ne nous a pas présenté une vision claire sur la police. Malheureusement, Fatih n'a pas nommé des bonnes personnes dans le ministère de l'Intérieur depuis Abandi Mandanaye. Et là, il y a essai-erreur. Aucune réforme, aucune intention de réforme, aucune intention de refonte. Et c'est extrêmement compliqué. Dans 3 ans, Fatih ne devrait pas être là. On ne devrait pas avoir la police comme on l'a maintenant. Pourquoi il va travailler avec ceux-là qui étaient déjà indexés comme les problèmes? Il y a un problème de leadership, il y a un problème de gouvernance au sein de la police. Le problème économique est là, le problème du recrutement est là, mais le problème du traitement aussi est là. Si l'État alloue des bons moyens aux policiers, un bon traitement, on aura un bon résultat et une rigueur. Parce que au-delà de tout ce que l'on peut, Batouana doivent être arrêtés et condamnés. Peine na bango, la peine capitale. C'est la loi qui le dit. Association des malfaiteurs qui commettent des tortures, qui entraînent à la mort. Donc, il y a un meurtre par préméditation. Très bien. Et ça l'est mis dans l'association, il n'y a qu'une seule chose, c'est punition. Sanction au Kangabango. Au Kangabango. Et puis, au condamné bango à la peine capitale, mais aussi et surtout révocation dans le corps de police. Mais tout ce qu'on en a fait, les responsables Nabango. Responsables Nabango. Il faut révoquer, pas révoquer, pas remplacer, pas révoquer. Et d'ailleurs, si on est sérieux, on peut même aller jusqu'au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur fait quoi là-bas? Non, il faut aller jusque-là, parce que c'est lui qui détermine, c'est lui qui juge, c'est lui qui dicte la politique au quotidien, qui gère la politique au quotidien, il y a intérieur. Sécurité intérieure, bien sûr, de l'État. Donc, il doit donner des explications. Très bien. Et là, le Premier ministre a bien fait de donner, d'instruire au VPM d'agir en conséquence. Et le VPM a agi, les 4 personnes ont été arrêtées. Ouais. Nous voulons un peu plus. C'est la différence avec Kabila. Différence avec Kabila. C'est qu'à l'époque, quand on tuait les gens, on les silence fait. Radio. Et aujourd'hui, depuis que Fatih est au pouvoir, Mouto Nyo Sakoui, Nambebawana, Bakangi. Tout le monde, aucune personne n'a tué et resté libre. Tous ceux qui ont tué sont arrêtés. Très bien. Ça, c'est un très bon point. Merci. Passons toujours à papa, la police a aussi la succès, Mikolo. Nazara, la police du sous. Mais la dossier, mon sous. Ah, tu vas mettre. La police a souka. Ah, la police, c'est quoi na concession du sous. On a ministre en fonction. Bah, Betty Massassi, bah, député, bah, Palangani. Dimanche et Indi. Dossier en Hollande, pending. Je n'ai pas suivi tous les dossiers. Ouais. Mais c'est quand même inadmissible aussi, les policiers à la gâchette facile comme ça. Ouais. Ça aurait pu tuer quelqu'un. Ouais. Donc ça nous ramène à Kambouya et à Réfonte. Oui, ça nous amène moi, toujours. Moi j'ai un plan. Oui. Lequel? Il y a réforme à police. Ok. Simple. Voilà. On doit se poser des questions. Ouais. Quel type de police nous voulons? Très bien. Stéphane, la police va à Koutakaye, n'a pas réserve à Malam. Ouais. Ça veut dire le meilleur de vos enfants. Ce sont eux que vous allez prendre et ce sont eux qui vont constituer votre police. Une fois que vous avez repris Banawana, généralement les critères de recrutement faits à la Makasi,
il faut recruter des diplômés pour ma bac. Ouais. Il faut recruter des licenciés ou des gradués. Très bien. Vous ne pouvez pas, au sein de l'armée, avoir des gens qui sont incapables d'écrire et de lire. Vous devez d'abord, au niveau de la police, avoir des hommes et des femmes capables de lire, capables d'écrire, capables de raisonner, capables d'ambitionner. Très bien. Si vous avez ces hommes-là, vous les avez recrutés, vous les faites passer à des tests de 2, 3 ans ou 4 ans, c'est long. Et là, vous leur apprenez des choses. C'est long, ma discipline d'abord. Parce que nous avons beaucoup de disciplines, nous avons dans l'armée, dans le compartiment, tout le département, nous avons dans l'armée. Vous avez des brigades de mœurs, dans la brigade de stupéfiants, dans la brigade criminelle, dans la brigade tout ça. Vous pouvez avoir des brigades et des brigades, autant de brigades que vous voulez, mais que chaque brigade soit assise sur une sur un enseignement, sur une formation adéquate et moderne. Donc aussi ici qu'on forme Bango, il y a des gens qui disent non, on traite d'abord avant, on forme après, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, il faut pas trop se demander ça. Policier, il faut avoir un camp. Le policier doit avoir un camp de policiers. Le policier doit avoir la capacité de scolariser dans la Bango. Il faut avoir une école, hôpitaux, comme les hôpitaux militaires, peuvent accueillir policiers, tous les policiers. Le salaire minimum d'un policier, on peut aller à 400$ ou 450$. Tout dépend du budget de Rosalon. Parce qu'il faut réduire le budget, il faut réduire le train de vie à l'institution pour regrouper ça dans la police un peu plus de moyens. Pour que le tout dernier de policier, ou à la police Lélo, a au moins à 420$. Pour que le général de la police a au moins à 2500, à 5000, entre 5000$. Il y a moins. Et que les policiers, ils ont 1000$, 1200$. C'est facile, il y a ça. Il faut simplement interdire à ce que vos ministres gagnent plus de 20 000$ et qu'un policier gagne 100$. Surtout quand on nivelle les bureaux, on a besoin de changer. Il faut empêcher à ce qu'un député gagne 13 000$ et qu'un soldat gagne 100$. Donc, ce que tu auras mené un député, un ministre, tu auras mené un député à 4 000$. Besoin de ministre à 10 000$ ou bien à 7 000$ à la limite. Le chef de l'État lui-même qui, au lieu de 24 000, a eu 14 000 ou 15 000$. Si vous faites ça pour la batterie de Vigno Soana, pourquoi les millions vont vous changer? Ce qui est déjà assemblé dans le Sénat, va avoir 100 millions $. 100 millions de dollars. Assemblée nationale, on a eu presque un modèle, on a plus de 100 millions $. Mais vous avez la police qui peine à avoir 50 millions $. Vous ne voulez pas Mambo évoluer. Donc commencez d'abord par dispatcher Mambongo. Un policier. 100 millions au Sénat, Zoraliza, par mois ou par année? Par an. Par an. C'est 100 millions par an. 100 millions par an. Vous savez, l'armée judiciaire gagne combien par an? Moins de 50 millions. Vous savez, l'armée et la police gagnent combien? Ça, on n'en parlera pas. Donc, il faut trouver des moyens. C'est fini. On a des institutions et la bourgeoisie, car j'ai l'impression. Hein. Nous sommes faits pour la politique et on vit par la politique et on est en train de tomber à cause de la politique. Très bien. Tout le monde a un dossier, on a un dossier sous. Il y a justice. On a tout le monde, on a samedi. Hein, Tika? To vendi to moni réseau social dingani bazo benda mutu wa nani o champion dingwe to nani te ya tuma tubwana gouverneur. Eh, moi ce qui me choque, c'est pas le fait qu'ils a gouverneur. Ce qui me choque, c'est le fait qu'ils a citoyen congolais. Aucun congolais ne mérite traitement wana azate horrible. Oui, ba tuba ya ba mobeko na biso le liboye. OK. Liberté est un principe, arrestation est une exception. On peut connaître sur le la vie humaine est sacrée. Oui. On peut connaître sur le dignité humaine est indiscutable. On peut discuter d'un côté. Oui. Donc prendre Moutou, n'engager pas ceux qui Moutou wana, ata bomi, ata ibi, bozoi bon côté. T'es bozoi bon côté parce que état des droits l'ingé le bas état des normes. L'état il y a respect, il y a normes. Très bien. Notre norme en termes de droit, c'est le respect de la procédure. Mais vous n'allez pas faire comme dans mon angoana. Et la police a mis ça à Bongo et un modèle naïf. Ce que la police est aux autres, on a Bercy. Aux autres, quand il y a Bouaki, on a Bercy. On a l'ongoulio et l'ambar. Bercy, il faut battre Baye Bézanine. Bercy, ils en ont assez à Moutouka. Ok. Moni a dit par la police, on a assez à Moutouka. On a taupé à Moutouka. Mais c'est contre la loi. C'est contre même c'est contre la constitution. Ouais. Comment vous évoluer le modèle? Moi, je suis contre ceux qui pensent que
ça offusque parce que c'est atout. Non, ce n'est pas parce que c'est atout, c'est parce que c'est un citoyen congolais. On l'aurait fait pour un citoyen congolais, nangana c'est pas la moté. Donc je ne peux pas, à mon humble avis, comprendre le modèle on a. C'est des. Heureusement, les gens qui l'ont fait sont arrêtés. Encore. C'est le plus grand avantage à Régimo. Vous êtes auteur d'une bévue ou bavure, on vous arrête. Et moi, je suis d'accord. J'applaudis de deux mains ce qui est fait. À toi, Kimak, à Erozonga. Mais il était aussi poursuivi par la justice. Mais tu vois que n'a évité terme on a ce qui n'a pas encore prudence ou bien. Moi, je suis politologue, juriste. Ça s'appelle comme un manu militari. Manu militari, manu militari. Manu militari. Ma kangyo ma boko ba yena okuna. Mais ça, on l'a sali ou on a été. Mais ça a bon côté. Manu militari, on a le droit exacté. Et pas besoin de procédure aux arrêtés. Ah. Non, n'a pas besoin de droit, tu viens en haut, prise de corps. Prise de corps. Le mandat de prise de corps. Ça veut dire, au boy, il y a un boy, il y a une invitation, au boy, au boy, au boy, il y a un boy, il y a un parquet. Mais maintenant, on a parlé à la tête. Pourquoi tu as un mot? C'est ton corps qu'on a immobilisé, pas humilié, pas dégradé, pas indigné. On va juste prendre ton corps, on le place dans le véhicule et on t'amène. Papa, baza 6. A tout, baza ce qui boule. Donc vous êtes incapable d'immobiliser le monsieur et de l'amener. Pourquoi il fallait le traîner comme ça? Donc il fallait, c'est une règle simple, il fallait satisfaire Moutinda Kibango, pas humilier à tout. C'était ça. Il fallait l'humilier. Alors ils l'ont fait. Mais ils oublient que tous ceux qui ont humilié les gens dans l'ancien régime, aujourd'hui ils sont humiliés. Ah oui. Ah, donc voilà. Il nous reste 8 minutes pour se quitter, pour arriver à 30 minutes. Nous avons contrôlé Ernaud Malam. Alors, maman Denise Nyakiro, au moins une vidéo, il y a moto, moi sur ma panzi, ma soeur boy, la Betty, ma ça c'est sous son alcool. Ça me tamboli partout dans les réseaux sociaux, on a la Kimiate, Stéphane, t'as la maman Denise Nyakiro, il y a même toujours dirigé Congo, t'as la bilou qu'on va garder dans les basal. Sangwana ils allaient à solo tout à l'écoute, on a évité battuke, bon, ils allaient à Kimia, na rokende, que tout na moto, bon, moi na kapembe na maman Denise. Non mais je ne. Bon, je... moi, là-bas, toi, dans le non. Et ça, il y a solo toi, le côté. T'es bon, ma pensée, ma choix, Robic. T'es dans tout le monde, Koufi. La Koufi, on était à Zopé, mais ma choix. En tout cas, c'est. Lokolo, à Kopanza. Et ça, c'est. Sincèrement, on a une information pour la. Dossier, on a été. On a été. On a été. Exactement, il a. Ils ont des gens. Dans le cas des figures, il y a un gros coma. D'abord, est-ce que Bazaba garde la première dame? Est-ce que Nabi, qui est mon première dame? Ce qui est vrai, à la communiquer, il va vous faire une explication ou il faut pas faire ça. Mais pour l'instant, je n'ai vraiment pas d'explication. Je vais donner une sauté. Après, c'est beaucoup de versions en même temps. Donc, je ne sais vraiment pas la minute qui dit la vérité et qui ment. Dans quelles conditions? Pourquoi ça s'est arrivé? Combien de mois? Il faut toujours voir avant de. De vous donner mon point de vue, mais c'est quand même à condamner, bien que ça, mais d'accord, il y a condamné ma prise. Il y a maman Kassia Model. C'est toujours des choses à condamner, mais il faut voir maintenant les éléments. Quels sont les éléments et c'est le maquinéni. Très bien, mon tour d'abisso à Souka. Tozozon a toujours un mouké. Un message à chef de l'État sur l'état de la nation, puisque c'est très important. Polémique et belé, discours creux, Fatih sans vision. Lui-même a parlé des élections, il a parlé de la question sécuritaire de l'Est, il a parlé de l'économie, il a parlé aussi de la précarité à la vie sociale à la Congolais. Nassa Malukoni à cause de la tour, à cause de la tête, compliqué. Moi, résumé à ma Kamonyo, soit on a 5 minutes et puis on se quitte. Bon, je pense que le président de la République a fait le constat qu'il y avait un problème de coordination, il y avait un problème de pilotage et que. Naroloba Fati, tu sens qu'il y a un remaniement qui arrive. Parce que le dire du président, c'est le dire de celui qui a vu, qui a constaté qu'il y avait un ça ne va pas. Et ouais. Il a compris le problème, c'est au niveau du pilotage, au niveau de la coordination. Donc tout revient maintenant au président. Comme il a reconnu qu'il y a un problème, ben, il va changer le gouvernement. Très bien. Probablement. Les nouveaux ministres, un nouveau vent. Et puis voir ce que ça va donner, ce que ça va donner après. Et lorsqu'on dit n'a pas de vision. Discours creux. Bon, au monde, ben oui, qu'est-ce qu'ils entendent par creux? Qu'est-ce qui est creux quand vous avez des chiffres? Qu'est-ce qui est creux quand vous avez l'historique?
discours état de la nation, c'est un rendez-vous constitutionnel. Dans ce moment, la place difficulté, ça va être un rendez-vous constitutionnel. Le chef de l'État n'a fait un mandat, il a fait une année à ça, là, un discours. Parce que, au moment où il a cru, si vous êtes ou pas, il faut le papier le 31. Alors, le papier le 31. Alors, le papier a cru. Le président s'exprime, c'est normal, il s'exprime. Mais non, le problème est que la fin, est-ce que tous les autres problèmes, est-ce que ça qui est résolu? La réponse est non. Et lui-même l'a dit que Mme Beza a résolu. Et après, c'est nous-mêmes si tu as une solution. On dit qu'il est trop plaintif. Bon, on a tout à mon plainte, voilà. J'ai vu un constat. Il a fait un constat que les choses ne marchaient pas et qu'il fallait trouver des solutions. Et ça, c'est ce qu'il a dit. Et je pense qu'il est en train de chercher un moyen de trouver des solutions. Élections. Les élections auront bel et bien lieu en 2023. Voilà, to Sengio fixé sur la caméra. On repasse un message dans Yasuka. Comme ça, on se quitte et puis on vous laisse travailler puisque là, to Zaga toujours à chaud. Vous avez aussi les derniers mots. Merci beaucoup Stéphane. Je présente mes vœux le meilleur à tous les Congolais. Et ceux qui me suivent, continuons à garder espoir. On n'a pas intérêt de perdre espoir dans Minitoyo. La vie, tout comme la politique, elle a toujours bon goût. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Quand c'est des hauts, on fait la fête. Et quand il y a des bas, eh bien, il faut parfois endosser et repartir après. Donc, gardons notre énergie positive. Je pense que ça va aller. Merci. Tout comme la souka émission Nabiso, Namolamboka Christian Bosembe. Tout comme bongo prochainement, na numéro Nabiso Moussousou. Et vous allez mal à mon mingi pour tout le blabéka, Mamboka. Merci. Merci. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arsi Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, des vestes cérémoniales et des bureaux de grands messieurs. Des robes de soirée et habillement des grandes dames. Des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arsi Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arsi Style de Rêve livre également dans toute la province de la République démocratique du Congo. Arsi Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arsi Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen sur Facebook. Arsi Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arsi Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arsi Style de Rêve, c'est la classe. Gims, j'espère image au Bozomona Oyo, les images de la chaîne Nabiso Yami Bale. Cette image, cette chaîne s'appelle BM Opinion TV. BM Opinion TV. Les alli chaîne au EPC Moutounion so Maloba. Partout osa. Et le Kwaliboso, sale la biso vidéo na yo. Nesiko finga, ko finga li soussouti. Nesiko panza ma vidéo na pamba pamba ko panza yango. Sale la biso vidéo kara ya 10 minutes. O sale vidéo ya 10 minutes. O tindelinga na numéro na nga oza affiché oyo. Na WhatsApp. Ce qui o tindelinga, to ko zwa vidéo na yo, to tche yango. Na chaîne Nabiso. Tala li kamonyonso o ezo tambola la Kongote. Sala dénonciation na yonyonso. Donc BM Opinion TV accorde la parole à tout le monde. Awa to na posta kuto invité te. Awa to na posta ya citoyen congolais, citoyenne congolaise. Mutu nyonso o ya moni kaza na opinion na ye. Asa la biso yango vidéo. Vanda na ndako na osala ka vidéo na 10 minutes. Tindelanga na numéro na WhatsApp lobande ko Stéphane vidéo na yango wana et ceux qui tindeli biso bongo panza pe lien to ko tindela yo
Senga batu ba s'abonner massivement na chaîne pour balanda ka opinion na yo. Et ko sala malamu mingi. Voilà la chaîne que j'ai mise en place ou bien que nous avons mise en place pour vous aider bino pe bolo baka batu ba yo kaka. Chaîne yangwana Gims à Lakisi ezali BM Opinion TV. BM Opinion TV, abonnez-vous massivement, c'est votre chaîne encore. BM Elingi Koloba, Balamwange Mupenda Opinion Télévision. Balamwange Mupenda, azo faire véhiculer opinion na yo nanzela ya télévision. Voilà ma conception et ma vision. Merci beaucoup na Mwanamboka Gims Lokumu.